Moi, le cactus là-bas ressemble à un pénis. Lui. Moi. Lui, c'est... Je pense que s'il avait pas été dans la télé-réalité, il aurait pu faire humoriste facile. One man show. T'as vu le blond quand il mange un sandwich? Putain, la mayonnaise, elle sort pas. Ah si. Je suis trop timide pour être... En fait, je suis drôle, mais... Avec les gens que tu connais. Voilà. Son père, il m'a dit quand j'étais petit, c'était un clown. Quand je me sens à l'aise, quand je connais les gens. Les imitations, les trucs bizarres, genre je vais aller lui faire un bisou, à un moment, il va m'aspirer le nez. What? Tu l'as vu la vidéo du chien? La meuf, elle crie et le chien, il met son nez dans sa bouche. Ah! What the fuck? Bah, genre vraiment cette impression-là, genre ça... Il va me faire. Quand il raconte des blagues, quand on joue au Uno, il y a une carte, tu sais, où tu dois faire rire les gens. Il m'a dit, gagne tout le temps. Genre, c'est entre les imitations, les formes qu'il fait avec. Fais une grimace. Non. Chérie, fais une grimace. Fais ma préférée. Genre, en plus, c'est toujours au moment où tu t'y attends pas. En plus, même raconter les blagues, moi je m'en souviens jamais, lui il les raconte vraiment avec tout, il fait les personnages et tout, vraiment. Alors, vraiment. Voilà. Ouais, trop c'est drôle. Bon. Il est génial. Elle. Ah ouais, je me sens un petit peu plus impulsive. Je suis un petit peu plus impulsive. Ouais. Prends plus sur moi avant d'exploser. Elle, elle part au quart de tour. C'est bon, le cactus là-bas ressemble à un pénis. Quoi? Je viens de voir ça là. Alors attends. C'est pas péjoratif de dire qui est le plus. Mais je dirais que c'est elle. Par rapport au fait qu'elle... Elle prend plus soin d'elle. Donc les filles, sachez que si vous êtes une femme, que vous aimez prendre soin de vous, faire vos cils, vos sourcils, les magasins et tout, vous êtes superficielle. Voilà. Alors faudrait... Mais lui en même temps il passe... Elle a pas compris le sens de la question. Si, non mais c'est... Tu prends plus soin de toi que moi je prends soin de moi. Ah, moi je suis une femme. Ben voilà, donc tu es plus superficielle que moi. Ça veut c'est dire tout que tout ce que je fais c'est superflu. Mais non. Non, bah c'est pas grave. Oui, par exemple, Paga et Ilona, on sait que c'est Paga. Bon, on le sait. Oui, c'est vrai. Il prend plus soin de lui que la plupart des meufs de... Ouais. Ouais, je pense que c'est facile, hein. Ouais. Ouais. En plus, là, je suis sur un nouveau projet. Ouais, c'est moi. Il a des heures et des heures de... Ouais. C'est devenu une fresque. Le plus significatif, c'est l'œil de ma mère. En fait, j'ai pris en photo l'œil de ma maman. Ici, c'est un ange protecteur sur mon... le haut de mon bras. Et c'est pas fini. Quand je m'ennuie, je les compte. C'est pas fini. Non, par contre, l'autre fois, j'ai colorié entre ces tatouages. Ah ouais, ça régale. Elle a pris un stylo, c'est comme les mandalas. Tu peux colorier, genre là. Elle se régalait. Tu peux remplir et tout. Elle remplissait le case vide, là. Moi, j'en suis pas encore au stade de fondre au soleil, mais je pense que j'ai une bonne moyenne. Après, j'ai fait des trucs nécessaires, enfin nécessaire. J'ai fait les oreilles, c'était vraiment genre, c'est un truc qui... Mon médecin, il m'a dit que c'était mieux de le faire entre 6 et 12 ans, je crois, un truc comme ça, parce que mon cartilage, il est plus jeune. Après, j'ai fait la poitrine, mais voilà, je peux abuser, c'est vraiment pour que mes vêtements, ils m'aillent mieux, parce que du coup, vu que je suis superficielle et que j'adore faire du shopping, bah forcément, avoir un soutien-gorge dans le dos quand je vais en tenue, ça me dérangeait, donc voilà. Mais je fais un gros C, je prends des trucs en D, ça baille, donc voilà. Et j'ai fait quelques injections dans la bouche et dans le nez parce que j'avais le nez cassé et que j'ai trop peur de me faire refaire le nez. Je me dis, imagine, il me change. Alors là, j'ai fait tout ce que je voulais faire, j'ai pas besoin de faire plus. Voilà. Non, on n'est pas des idiots, donc ça va. Non, on est tous les deux curieux en fait. Ouais. Non, on n'est pas un culte et puis en plus de ça, on a chacun notre... Je sortirai pas avec. Ouais, voilà. Je serais pas avec elle si c'était une inculte. Puis on a chacun nos cultures différentes, ça veut dire qu'on va me trouver sur certains sujets où lui on le trouvera pas et vice versa. Donc je pense qu'on s'apprend tous les deux. Voilà. De la Suède? Stockholm? Non, Stockholm, ouais. Stockholm? Elle. Moi. Et je pensais qu'en arrivant ici, j'allais retrouver mon chéri. Oh. Ouais, c'est chouette, c'est vrai. Ouais, plus elle que moi. Je pleure souvent devant les films. Moi, je montre moins mes émotions, en fait. Vous avez remarqué, je suis un peu dans les plantes, quand même, depuis tout à l'heure. C'est ton côté homme de la nature. Ouais, côté Tarzan. Arrêtez ça, chatouille. J'ai une copine avec laquelle on regarde des vidéos genre de chants. Et genre, ils chantent tellement bien, genre c'est... Seigneur,
Wake up missing you. C'est horrible. Genre on est là, on pleure et tout. Non mais c'est trop bien, enfin, je sais pas. Enfin... Moi c'était Roxy Rookie qui m'avait fait pleurer quand j'étais petit. Oh bébé. Voilà. Aussi c'est moi. Mais c'est toi, c'est moi. Moi j'ai plus elle que moi. Je suis trop fier moi en fait. C'est pas péjoratif de dire ça. Non, ça me dérange ça, pas d'être une canarde. Je sais que je suis trop fier. Coquin ? Ouais, tous les deux, kiff-kiff. Franchement, ça va, on est assez... Kiff-kiff. On est divers et variés, on s'intéresse à tout. On s'est bien trouvés. Voilà. Ah, fou, moi. Voilà, ah, je suis jamais à l'heure, moi. Horreur d'être en retard. J'ai horreur d'être en retard. Et je déteste être en retard à cause de quelqu'un. Du coup, me subis. Voilà. Non, mais je fais pas exprès. Mais j'ai plus de. Mais, voilà. Mais vu que je suis superficielle, j'ai plus de choses à faire. Logique. Bah, tout à l'heure, elle a dit que c'était moi sur une autre. Bah, oui, parce que toi, en fait, c'est différent. C'est-à-dire que moi, je vais pouvoir. Genre, je suis pas jalouse parce que je sais que tu feras pas des trucs envers telle ou telle personne. Mais tu parles encore avec elle. J'ai eu une période où c'était compliqué parce que bah, y avait une histoire avec Tristan, donc forcément, le temps de refaire confiance bien, parce que je me suis mis. Voilà, mais maintenant. En fait, je pense que t'es jaloux. J'ai passé un temps, j'étais grave jalouse parce que j'avais perdu confiance en moi. Mais lui, c'est différent. C'est-à-dire que toi, tu vas pas me dire, genre, je suis jaloux, mais des fois, tu fais des trucs où je me dis, non, mais. Pas logique, tu vois. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'être jaloux. Oh bah. Oui, coucou. Il sait que même lente en torsé, ça lui est déjà arrivé d'aller au sport. C'est un malade, ça veut dire qu'en fait il a mal. Dès que ça va un petit peu mieux, qu'il peut un peu, voilà, il y retourne. Ouais. Donc deux semaines après il se refait mal. C'est un truc de fou. Hein. C'est ma drogue. Quoi ? Ah t'es dominant toi ? Moi je dirais moite-moite parce que franchement j'ai jamais eu l'impression d'être une soumise. Hein, tu vois, c'est comme par exemple le plus superficiel, ça veut pas dire que c'est pas péjoratif, ça veut pas dire que tu es soumise. Tu trouves mais on le dit le plus dominant. Ouais, on va... cette année oui, on va voir. Ouais, encore. Non, je suis pas d'accord ces derniers mois. Je sais pas, j'ai un caractère fort quand même. Après, je suis peut-être plus souple que lui, ouais, c'est vrai. Il est plus dur. Ah, je sais pas. Ça m'énerve. Je suis pas une soumise, ça me soumise. Ça veut pas dire que tu es une soumise. Si, bébé, le plus dominant. Hein. Mais oui, mais ça, c'est pas qui est la plus soumise, c'est qui est le plus dominant. Enfin, j'ai le dominé, moi, tu vois. Il se pourrait que ça fasse mal. Ah! Oh! Lui, là. Ah oui, à lui. Ouais, c'est moi. Incroyable. 8 ans, t'as d'âge mental, tu vois. Ouais, je suis trop un enfant. Ouais. Surtout en plus. Hein. Ouais, mais après, c'est un gentil gamin, tu vois. Mmh. Franchement, c'est un gentil gamin. Tu aimes des sucreries et tout, il est sage. Il va se coucher à l'heure. Tout va bien. Bah, moi, du coup. Elle. Ouais. Mais je le ressouligne une nouvelle fois, parce que Benji, il n'est pas très démonstratif sur beaucoup de choses. Mais plus ça va, plus je trouve qu'il devient attentionné. Pas à ton niveau encore. Folie, je m'en fous. Avec toi, je suis si bien à moi, comme tu sais. Oui, mais non, mais tu y arriveras jamais, chérie. Partout où elle va, elle me ramène toujours un petit truc. Tu vois, c'est ces petites attentions, tu vois. Et moi, j'ai pas ce réflexe. Mais il fait des efforts. C'est moi. Ouais. Tu sais ce qu'il a fait ? On a une maison à 2 étages, ok ? Ouais. Il y a une piscine chez nous, il a sauté du 2e étage, donc ça doit faire peut-être 15 mètres. Nah, chérie, ça va toujours. Ça fait combien, 10 mètres ? Non mais je sais pas quantifier. T'as pas la notion. 10 mètres, bon, bref, il a sauté de tout en haut jusqu'à dans la piscine. Non mais ça c'est rien. Faut savoir quand j'étais jeune, j'allais dans les calanques à Marseille sauter de 20 mètres. Non, mais... Wow. Moi je casse tout, moi. C'est elle. Elle se cogne tout le temps. Ah ouais. Tout le temps, ça me fait rire, tout le temps. Ouais, j'ai un bleu là. Chaque fois que je l'entends marcher dans la cuisine, t'as aïe 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 aïe. Tout le temps, et moi je rigole, elle me dit, mais ça te fait rire. Je dis, mais en fait, c'est pas que tu te cognes qui me fait rire, c'est sa réaction, genre. Elle se cogne tout le temps, tout le temps. Ah, ça m'énerve.
Moi. J'ai toujours été exhibitionniste. Mais ouais. Mais bon, après, faut savoir que les mecs, ils sont tout le temps torse nu et on leur dit rien, quoi. Donc, au bout d'un moment. Mais du coup, ouais, mettez-vous tous torse nu. Hein. Bah, excuse-moi, je suis désolée. Les mecs, ils sont tout. Non, mais vraiment. Hein. Bah, on va les se mettre couille à l'air. Hein. Bah, non, mais c'est pas pareil, chérie. Moi, est-ce que je vais poser mes escalopes sur la table? Bah, non, pas du tout. Eh bien, des nudistes. Non. C'est vrai? Ouais, je vais t'envoyer une petite semaine là-bas. Pas de soucis. Tu viendras avec moi. On fera de la nouille à l'air tout l'été. On y va.